Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux dans cet amphithéâtre à la Sorbonne pour une grande première, une rencontre entre un académicien, ce soir Édouard Brézin de l'Académie des sciences et les étudiants. Et nous sommes donc pour la première rencontre d'un nouveau programme qui vous sera proposé sur plusieurs mois jusqu'à la fin du mois de juin. Chaque mois, vous pourrez rencontrer un académicien pour réfléchir autour de la question de la liberté. Aujourd'hui, vous avez donc un physicien. Le mois prochain, vous aurez un compositeur et puis un helléniste, un juriste, une écrivaine. Voilà. Je voulais remercier vraiment la région académique d'Île-de-France, en particulier le recteur délégué à l'enseignement supérieur, qui est présent parmi nous, d'avoir soutenu l'Institut de France dans ce projet que nous avons vraiment porté ensemble pour vous proposer, à vous les étudiants, ce programme de conférences. Un grand merci, c'est grâce à vous que nous sommes dans ce lieu assez magnifique. Voilà, nous aurons toujours le même rituel. D'abord, 10 minutes de présentation de notre intervenant autour d'une interview portrait. Vous aurez ensuite 50 minutes d'exposé où il va vous emmener dans le dur du sujet et puis 30 minutes de questions. Et je dois vous dire que quand nous avons préparé cette rencontre avec Édouard Brézin, il m'a dit que ce serait certainement le plus intéressant. Donc voilà, nous comptons sur vous. Nous allons commencer par rencontrer M. Brézin. Édouard Brézin, vous êtes né en 1938 à Paris, d'une famille d'origine polonaise. Est-ce que vous avez reçu de votre famille une idée particulière de la liberté, qui est notre thème aujourd'hui? Oui, je ne savais pas que vous alliez évoquer ça. Mes parents étaient étrangers, immigrés, sans papiers, illégaux. Voilà, donc ça m'a laissé quelques souvenirs tout de même. Mais je crois qu'il vaut mieux en rester là. Il y a eu la guerre après, hein, puisque je suis né juste avant la guerre. La guerre en a laissé quelques autres. Je crois qu'il faudrait une autre conférence. Alors, vous avez un parcours professionnel impressionnant, de grands noms émaillent votre carrière. Polytechnique, vous avez été élève et professeur. Le commissariat à l'énergie atomique, où vous avez travaillé. L'ENS, où vous avez dirigé le département de physique. Le CNRS, dont vous avez été le président du conseil d'administration. Et puis l'université Pierre et Marie Curie, où vous avez été professeur. Pourquoi avez-vous choisi d'être scientifique ? Écoutez, j'ai peur de répondre que je ne savais pas faire autre chose. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale, j'aimais bien les sciences. Le professeur de terminale a lu la liste des gens qui seraient admis en classe préparatoire à ces écoles scientifiques. J'étais dans la liste, donc voilà. Je suis allé voir mes parents, je leur ai dit « je voudrais être ingénieur ». Je ne savais pas ce que c'était, eux non plus. Et... voilà comment je suis devenu scientifique. Alors, vous êtes devenu physicien et spécialisé en physique théorique. Est-ce que vous pouvez nous dire les questions qui ont pu guider vos recherches, vos travaux? Qu'est-ce que vous avez essayé de comprendre tout au long de votre parcours? Oui, alors, ce parcours, si vous regardez mes cheveux blancs, vous voyez bien que c'est une longue histoire. Je vais essayer de dire que j'ai eu la chance de vivre une période où beaucoup des problèmes qui étaient considérés comme bloqués, difficiles à résoudre au moment où j'ai commencé, miraculeusement, grâce à quelques individus que j'admire beaucoup, se sont débloqués. Donc, ces problèmes concernaient tantôt les changements d'état dans la matière, ce qu'on appelle les transitions de phase, qu'entre, je ne sais pas quoi, un solide passe d'un état solide à l'état liquide, par exemple, ou gazeux éventuellement. Ça, c'est dans les transitions de phase. Et puis, il y avait des problèmes tout à fait semblables dans la physique des particules élémentaires, qui normalement est un tout autre domaine, ce qui m'a permis de tantôt m'intéresser à l'un, tantôt à l'autre. Le domaine des particules élémentaires est un domaine où les expériences sont extrêmement complexes, spécialisées et remarquables. Elles se font en général maintenant au CERN à Genève. Et donc les deux métiers d'expérimentateur et de théoricien sont distincts. Alors vous êtes membre de l'Académie des sciences qui a été fondée au XVIIe siècle. Aujourd'hui, quel est le rôle d'un académicien
aux sciences. Aucun rôle écrit, mais il est clair que nous nous sentons tous collectivement des responsabilités, d'abord sur l'éducation. Nous nous prononçons, nous essayons d'exprimer notre avis lorsque nous avons le sentiment que l'éducation est en question, donc c'est la première chose. Ensuite, il y a des grandes questions de notre société sur lesquelles nous essayons de travailler et de faire des rapports destinés à ceux qui veulent bien les lire. Et je ne sais pas, parfois ils s'en trouvent. Par exemple, qui concerne... Moi, j'ai travaillé assez longtemps dans un groupe qui s'occupe des questions d'énergie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour développer correctement l'énergie nucléaire, que peut-on penser de la biomasse, que peut-on penser de l'hydrogène, etc. Voilà une autre des responsabilités, mais ça c'est moi. Chacun trouve à l'intérieur de l'Académie le rôle qui lui semble adapté. Nous avons quand même le sentiment que c'est notre devoir d'être conscients de ce que fait la génération d'après nous. Alors, ils ne sont pas tous aussi vieux que moi. Et puis après tout, quand j'y suis rentré, c'était il y a 33 ans. Donc j'étais encore à peu près vif. Et voilà, on s'occupe, on essaye de faire que les gens plus jeunes... qui doivent être aidés, encouragés, soutenus, le soient correctement. Et puis, lorsqu'il y a des problèmes entre les pouvoirs publics et la recherche, nous nous exprimons sur ces sujets. Ce n'est pas qu'on nous écoute, mais au moins nous sentons le devoir de le dire. Eh bien, un grand merci. Peut-être dernière question. Au sein de votre académie, vous co-présidez un comité particulier qui soutient les scientifiques du monde entier victimes de violations des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être quels pays sont concernés ? Alors, je vous corrige tout de suite. Autrefois, on disait les droits de l'homme, maintenant on dit les droits humains. Donc, il est vrai qu'il existe... dans beaucoup des grandes académies du monde, des petits groupes qui essayent d'utiliser leur connaissance du milieu scientifique international, car nous y sommes tous plongés, pour identifier ceux d'entre nous qui sont persécutés pour leurs opinions, quelquefois vraiment au péril de leur vie, même de leur vie. Et donc, nous essayons de recueillir des informations fiables, vérifiables. Nous essayons de nous assurer qu'en intervenant, en écrivant à tel autocrate qui les persécute, que nous ne mettons pas leur famille en danger. C'est une préoccupation. Et hélas, je n'ai pas de souvenir d'un de ces autocrates qui nous répondent « Ah, vous avez raison ». Hélas. En tout cas, vous allez maintenant nous parler de la liberté et nous comprenons que c'est à la fois en raison de vos compétences, mais de vos engagements plus personnels. Voilà, nous allons peut-être maintenant faire connaissance avec notre public de façon très rapide. Qui parmi vous est étudiant ? Si vous pouvez lever la main. Et qui parmi vous a une formation scientifique ? Très bien. Eh bien, c'est à vous le sujet... La liberté en science, une évidence, point d'interrogation. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire qu'effectivement, ceci n'a de sens que si au bout du compte, il y a un dialogue, je vais vous dire des choses, mais si ceci vous paraît de nature à échanger entre nous. La deuxième chose, c'est que sur le thème choisi, la liberté, qui nous importe à tous, il est évident que chaque personne a une vision différente, c'est-à-dire que je ne représente pas ici l'Institut de France ou l'Académie des sciences, je ne représente que moi, et je vais vous dire comment je vois ce problème à travers les âges, sur la liberté de science. Je vais donc balayer 2700 ans en quelques minutes, vous voyez donc à quel point je vais être superficiel, je vais me contenter de mettre le projecteur de temps en temps
sur des moments qui me paraissent importants dans cette très longue histoire, et nous y reviendrons à la fin. Donc, d'abord sur la liberté en sciences, si vous ouvrez un dictionnaire, une encyclopédie, vous y verrez décliner la liberté en liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de manifestation. Le chapitre « Liberté en sciences » n'existe pas. Alors, est-ce que c'est parce que « Liberté en sciences », ça n'intéresse personne? Le chapitre « Liberté de respirer » n'existe pas non plus. Donc, est-ce aussi évident que la liberté de respirer? Eh bien, vous allez voir que non. C'est ça le thème que je vais vous présenter. Et je voulais vous dire également que c'est une spécificité tout à fait singulière et universelle de l'espèce humaine de s'interroger sur le monde. Peut-être d'autres espèces le font-elles aussi, je ne sais pas ce que pense un lapin ou un corbeau. Peut-être qu'ils s'interrogent sur le monde dans lequel ils vivent, mais nous, c'est indubitable, et nous tentons tous, à travers toute l'histoire et les civilisations, de comprendre ce qui nous a emmené là, et là où nous sommes. Alors, il se trouve, comme vous le savez, que nos sens sont limités. Nos sens ne nous permettent ni de percevoir, ni de comprendre les grandes échelles de temps qui régissent la Terre, la vie. Nos sens ne nous révèlent jamais que dans le moindre grain de matière, il y a un nombre gigantesque de molécules ou d'atomes. Rien de tout ça. C'est pourquoi nous avons besoin de la science, et l'espèce humaine a la chance de pouvoir à la fois transmettre d'une génération à l'autre, ce que n'ont pas tout à fait les espèces animales, et de créer des outils pour explorer le monde. Donc c'est ça dont je vais vous parler, et je voudrais vous essayer de rappeler avec vous pourquoi l'histoire de cette interrogation sur l'univers a été des plus mouvementées. Je vais commencer par les mythes antiques. Alors, il y a ceux que vous connaissez, tout le monde connaît, le mythe d'Icare, Dédale, qui était un architecte fameux, et son fils Icare sont retenus prisonniers par le roi de Crète, Minos, Dédale comprend que la seule façon d'échapper est de faire des grandes ailes qu'il va fixer dans le dos d'Icare comme dans le sien pour pouvoir s'envoler. Et ça marche. Ils s'envolent tous les deux. Icare est grisé par le désir de voir toujours plus loin et monte chaque fois plus loin malgré les exhortations de Dédale qui lui dit « Attention, c'est dangereux ». Et effectivement, le soleil fait fondre la cire des ailes et Icare s'abîme dans les flots. Donc ce mythe est une mise en garde contre le danger auquel s'exposent ceux qui veulent en savoir trop. C'est clair, peut-être aussi contre l'autorité paternelle. Ne pas violer l'autorité paternelle. Un autre mythe encore plus explicite est celui du paradis perdu. Comme vous savez, Adam et Ève sont chassés du paradis perdu parce qu'ils ont goûté aux fruits interdits de la connaissance. Alors, je me suis souvent, et vous aussi sans doute, interrogé pourquoi la puissance divine avait mis dans ce jardin un arbre interdit et pourquoi ces fruits, la connaissance, étaient-ils interdits? Pourquoi avoir interdit la connaissance? Mais le message était clair, la tentation de la connaissance condamne l'humanité au désastre. Voilà les mythes anciens, heureusement, ils ont eu au départ très peu d'influence, car il y a une période absolument bénie pour la science, qui est la Grèce antique. La Grèce antique, à partir du 7e siècle avant notre ère, accompagne la naissance de la philosophie, des mathématiques, de l'interrogation rationnelle sur le monde, et les noms de ces grands, je ne sais pas s'il faut dire philosophe ou scientifique, à l'époque on ne distinguait pas, les noms sont restés célèbres, tout le monde connaît les noms de Thalès, Pythagore, Hippocrate, Aristote, Euclide, Archimède, etc. Par exemple, Aristote, pour vous donner cet exemple, a donné la première preuve
de la sphéricité de la Terre. Nous vivons non pas sur une plaque, sur quelque chose de plat, mais sur une boule, simplement parce qu'il avait observé des éclipses lunaires et les arcs de cercle que l'on voit lorsque se forment les éclipses lunaires. Donc voilà, on était dans la naissance de la science. Et comme vous savez, Raphaël, dans ce tableau célèbre du Vatican, a mis au centre Platon, Aristote, etc. Il a même mis Raphaël, évidemment, quelque part. Donc il y a là tous les grands de cette antiquité peints par Raphaël au Vatican. Je vais prendre un exemple parce que je le trouve merveilleux. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais de l'intelligence, de la perfection de l'observation de ces premiers scientifiques de l'Antiquité. Ératosthène est le premier qui a mesuré la taille de la Terre, sa circonférence. Nous sommes donc à 267 avant de l'ère antique, et Ératosthène vit à Alexandrie, c'est-à-dire au bord de la Méditerranée, et on lui a dit que le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, à l'heure où le soleil est au zénith, le soleil plonge au fond des puits, aussi profonds soient les puits. C'est-à-dire que le soleil tombe verticalement. Or, Ératosthène est à Alexandrie. Ce même 21 juin, il se place au moment du zénith du soleil et il observe que l'obélisque qu'il y avait à Alexandrie a une ombre portée. Et vous le voyez, j'espère, sur cette figure, et il mesure l'angle qu'il a, il trouve environ un cinquantième de tour de cercle, et il comprend immédiatement que puisque la Terre est sphérique, c'est le même angle que l'on retrouve ici, c'est-à-dire que la distance d'Alexandrie à cet endroit où le soleil tombe au fond des puits est un cinquantième d'arc de cercle. Donc, il suffisait de connaître la distance d'Alexandrie à cet endroit qui est un peu au sud d'Assouan, loin au sud en Égypte, pour en déduire la taille de la Terre. Alors, comment mesurer la distance d'Alexandrie à ce village qui s'appelait Sienne? La seule chose dont disposait Ératosthène, c'était des caravanes de chameaux. On savait combien les caravanes de chameaux, combien de stades il fallait, c'était ça la mesure, à l'époque on mesure en stades, combien de stades les caravanes de chameaux mettaient pour aller de Sienne à Alexandrie. Et il a trouvé quelque chose comme 5000 stades. Alors les historiens se battent encore pour savoir combien exactement était un stade, mais je crois qu'ils sont à peu près d'accord que la circonférence trouvée par Ératosthène, à quelques pourcents près, se rapproche des 40 000 kilomètres que nous connaissons. Voilà donc un exemple que je trouve merveilleux. Mais après ce monde grec, il va y avoir environ 2000 ans de conflit entre la science et les pouvoirs religieux, et je vais évoquer quelques étapes de ces conflits. L'opposition entre la science et la théologie démarra dès les débuts de l'ère chrétienne. Les chrétiens, les premiers papes, décidèrent que Aristote et Ptolémée, qui était un astronome qui vivait, je crois, au second siècle après Jésus-Christ, étaient partisans d'un système dans lequel donc la Terre était sphérique. Mais la Terre était évidemment au centre de l'univers, un système qu'on appelle géocentrique, et c'était les seuls systèmes tolérés. Donc, après ces décrets ecclésiastiques, la science dépérit. Fort heureusement, pendant quelque temps, la connaissance de la science grecque est en fait conservée par des penseurs du monde arabo-persan. Dans les siècles d'or, je cite là les historiens de l'islam, les siècles d'or qui vont du 8e au milieu du 13e siècle. Les noms de Al-Khwarizmi, qui vivait à Bagdad au 9e siècle, après
Jésus-Christ, Al-Khwarizmi, dont nous avons déformé le nom pour donner en français ce que nous appelons algorithme. C'est lui le créateur de l'algèbre. C'est lui qui a appris que quand on faisait passer d'un membre dans l'autre, on changeait de signe du terme qu'on faisait passer. Ensuite, il y a Avicenne, grand médecin persan, qui est persan et qui écrit une encyclopédie médicale qui meurt en 1037. Et puis Averroès, lui est à Cordoue, c'est au XIIe siècle, il est médecin, philosophe, mais il est surtout traducteur d'Aristote. Il connaît tous les textes grecs et il nous fait connaître, il fait connaître dans le monde occidental ces textes perdus, le plus souvent. Hélas, Averroès va être poursuivi par hérésie parce qu'il essaye de réconcilier la science et les textes coraniques et c'est considéré comme une hérésie et je crois que le procès d'Averroès me semble-t-il est quelque chose comme l'équivalent du procès de Galilée dans le monde chrétien dont je vais parler dans quelques instants. Un exemple qu'on m'a cité récemment, que j'ai trouvé merveilleux, que j'ai lu dans un livre récent, c'est l'exemple de deux astronomes, l'un vivait à Cordoue, l'autre à Bassora, autour de l'an 1000, qui se demandent, je trouve que la question est formidable, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi lorsque le soleil se couche et descend en dessous de l'horizon, il fait encore jour ? La nuit met presque une heure à s'établir. Donc, le soleil n'est plus là, et pourtant il fait jour. Ils se demandent, mais pourquoi ? Comment est-ce possible ? Alors leur explication est simple. Nous sommes surmontés d'une calotte bleue, tout le monde la voit, et donc c'est parce que cette calotte reste illuminée, même lorsque le soleil continue à tourner, que nous voyons encore de la lumière. Ils font de la trigonométrie, ils sont très bons, trigonométrie sphérique, et ils déterminent que cette calotte bleue est à peu près à 80 km de nous. C'est en gros l'épaisseur de l'atmosphère telle que nous l'avons. Donc cette science était très vivante, mais elle disparaît pour arriver, donc le deuxième personne à laquelle je veux m'appesantir, c'est Nicolas Copernic. Nicolas Copernic était chanoine d'abord, mais il était tout, médecin, mathématicien, astronome. Et très vite, il se convainc que le système héliocentrique, c'est-à-dire dans lequel le Soleil est au centre des mouvements, dans lequel la Terre est mobile, suffit à expliquer toutes les irrégularités des trajectoires des planètes. Parce que si on met la Terre au centre, les planètes font des choses très bizarres, des rebroussements, leurs trajectoires n'ont rien de simple vu de la Terre. Il dit, vu du Soleil, ça marche, tout est simple. Alors, il se trompe un peu parce qu'il veut que tout soit circulaire, mais je ne fais pas ça. Seulement, il a très peur de sa constatation. Et bien qu'il ait trouvé ça dans sa jeunesse, il ne publie qu'à l'instant de sa mort, il doit avoir 70 ans, et on raconte que c'est sur son lit de mort qu'on lui apporte le texte de son livre imprimé dans lequel il publie son observation, sa théorie dans laquelle nous vivons dans un monde centré sur le soleil. La suite va montrer combien il avait raison d'être prudent. Giordano Bruno arrive un peu plus tard. Giordano Bruno est aussi un moine. Et il est convaincu tout de suite par l'héliocentrisme de Copernic. Il écrit un livre, c'est une tête brûlée, il est très impulsif, il doit avoir un caractère difficile, mais il est très séduisant. Le roi de France, Henri III, le fait venir à sa cour, donc c'est pas n'importe qui. Il écrit un livre qui s'appelle « De l'infini, de l'univers et des mondes », dans lequel il envisage cette fois-ci, au-delà du soleil, un univers dépourvu de centre, peut-être peuplé d'une quantité infinie de mondes identiques aux nôtres. C'est une question que nous nous posons toujours, hein, je vous signale. Il écrit des textes merveilleux et il passe en procès, il est condamné à être brûlé vif et son bûcher, si vous allez à Rome, je vous conseille d'aller voir la statue de Giordano Bruno
sur le Campo dei Fiori. Voilà comment la science, à l'époque, était dans les plus grands dangers. J'en arrive à Galilée, Galileo Galilei, qui naît à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, et qui est vraiment pour nous le créateur de la science moderne. Il est premier à comprendre qu'il faut asseoir les considérations sur l'expérience. C'est pas du tout banal. Par exemple, Descartes combattra toute sa vie Galilée parce que Descartes a un point de vue totalement opposé. Il considère que c'est la raison qui crée le monde et pas l'expérience. Galilée est en même temps un inventeur. Il invente la pompe à eau, mais il invente surtout la lunette astronomique. Et grâce à ça, il découvre encore un satellite supplémentaire de Jupiter. Il découvre les anneaux de Saturne. Il est mathématicien. Il comprend les mouvements accélérés de la chute des corps. C'est un homme absolument prodigieux. Et il s'aperçoit, avec sa lunette, que les quatre satellites de Jupiter sont en mouvement et qu'ils ne tournent pas autour de la Terre du tout, ils tournent autour de Jupiter. Il se dit, mais Copernic avait raison, ça confirme ce que disait Copernic, que le dogme aristotélicien est faux, alors, ce qui était le seul admis par l'Église. On lui dit tout de suite que l'héliocentrisme est contraire aux Saintes Écritures et qu'il ne faut pas le défendre ou l'enseigner. Mais Galilée est très confiant en lui-même. Il est ami de quelqu'un qui deviendra le futur pape, qui s'appelle Urbain VIII. Il se dit « je peux y aller ». Et il écrit un livre, ce qui s'appelle « Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde », dans lequel il compare les systèmes de Ptolémée, donc aristotélicien, et le système de Copernic. Et bien évidemment, il tranche en faveur de Copernic. De surcroît, il l'écrit en italien. Alors ça, c'est inadmissible. C'est accessible à tout le monde. Le pape a beau être son ami, il ne peut pas résister au fait qu'il faut lui faire un procès. Et on lui fait un procès devant le Saint-Office. Interrogatoire, menace de torture. Galilée est âgé, il est malade. Il cède. Et il signe une abjuration qui se termine par les mots « J'abjure et maudis d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. » Je me suis arrêté et je me suis répété cette phrase un grand nombre de fois. J'avais appris, comme tout le monde, que Galilée, devant les menaces de l'Église, avait abjuré ce qu'il avait soutenu jusque-là. Mais quand je relis « J'abjure et maudis mes erreurs », je me dis « Mais est-ce qu'il a abjuré sa croyance dans le système héliocentrique ?» Je n'en crois rien. Il dit « Je regrette d'avoir fait des erreurs ». Qui d'entre nous ne dirait pas ça ? Je crois qu'il s'est moqué de ses juges. Peut-être, je ne le sais pas, je ne suis pas historien, avec la complicité de son ami Urbain VIII. Je suis conforté dans cette idée parce que la condamnation de Galilée, qui est commuée en une assignation à résidence à Florence, à Arcetri, est assortie d'une deuxième sanction. Et la deuxième sanction, c'est pendant un an, une fois par semaine, il faut réciter les psaumes de la pénitence. Eh bien, pendant un an, toutes les semaines, Galilée se trouve une fille qui est religieuse et qui accepte de réciter les psaumes de la pénitence à la place de son papa, Galileo Galilei. Donc, je crois qu'il s'est moqué de ses juges et, heureusement, en tout cas, il a survécu, il n'a pas eu le sort de Giordano Bruno. Le texte de cette sentence a un retentissement considérable dans toute l'Europe. Par exemple, Descartes, qui à ce moment-là est réfugié aux Pays-Bas, renonce à faire paraître son traité du monde et de la lumière, qui ne paraîtra qu'après sa mort. Il reste prudemment réfugié aux Pays-Bas. Et dans le monde entier, donc, la condamnation de Galilée a un impact extraordinaire. Arrive le siècle des Lumières, le 18e,
ne cessera de réfléchir à cette contradiction. Et je trouve magnifique la phrase de D'Alembert qui écrit, je la lis doucement, « C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle réunit à la temporelle, forçait la raison au silence, et peu s'en fallut qu'on ne défendît au genre humain de penser. » Magnifique. Donc les ouvrages sur l'héliocentrisme ne seront autorisés qu'au milieu du XVIIIe siècle, après les observations d'un astronome anglais qui s'appelle Bradley sur l'aberration de la lumière. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'aberration, mais ça a démontré que la Terre n'était pas immobile et se déplaçait sur une orbite autour du Soleil. Je continue sur le siècle des Lumières par ce que je vais appeler le scandale de l'encyclopédie. Vous voyez ici la première page du premier tome de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Cette encyclopédie, éditée de 1751 à 1772, sous la direction de Diderot, au départ aussi avec D'Alembert, puis avec toute une équipe qui travaille, est une compilation absolument magnifique de tous, un essai pour compiler tout ce qu'on savait à l'époque. Tous les savoirs en astronomie, en mathématiques, tout ce qu'on savait sur les métiers, toutes les techniques, et il relève avec une minutie exceptionnelle l'ensemble des savoirs. C'est un travail merveilleux qui, 35 volumes avec les planches en souscription. Diderot va se ruiner. En plus, en 1759, le privilège que lui avait obtenu le ministre Malesherbes est révoqué et sous la pression des jésuites, le pape Clément XIII fait mettre l'encyclopédie à l'index et ordonne aux catholiques de brûler les exemplaires en leur possession. L'index, c'est la liste qui était au Vatican de tous les ouvrages qui étaient interdits aux catholiques qui suivaient les instructions de l'Église. La mise à l'index fonctionnait jour et nuit. J'ai l'impression que, vu d'aujourd'hui, être mis à l'index était une sorte de prix Nobel, vu d'aujourd'hui. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ils seront tous à l'index. Même, j'ai trouvé extraordinaire de découvrir que le dictionnaire Larousse, bien banal, qui paraît pour la première fois au XIXe siècle, sera lui aussi mis à l'index. Et on ne peut pas ne pas s'arrêter un moment et se demander, mais qu'est-ce qui les embêtait avec l'index, avec l'encyclopédie? Pourquoi cette volonté de rejeter des gens qui se contentaient d'essayer de faire un tableau des techniques, des métiers, des savoirs? D'où ça sort? Je crois que c'est un témoignage de cette volonté de maîtriser, de dominer tous les esprits par une sorte de totalitarisme qui, vu d'aujourd'hui, est effarant. Donc, après vient Charles Darwin, vous connaissez donc en 1859 l'ouvrage de Darwin sur l'origine des espèces paru, et il reste aujourd'hui au centre des attaques présentes des créationnistes et de tous les partisans de ce qu'on appelle l'intelligent design en mauvais français. La fin du conflit avec les églises françaises, avec les églises chrétiennes, parce que cette fin est arrivée quand même. Il a fallu attendre 1992 pour que le pape Jean-Paul II reconnaisse que l'erreur des théologiens fut de penser que notre connaissance de la structure du monde physique était imposée par le sens littéral de l'Écriture sainte. Les conflits entre la science et les églises chrétiennes, à l'exception de la théorie de l'évolution des espèces, semblent apaisés. Je n'ai pas pu ne pas m'interroger pour savoir qu'en est-il, par exemple, du monde islamique. Évidemment, je connais mal. Donc, vous avez vu tout à l'heure cet âge d'or qui allait jusqu'au XIIIe siècle. Je n'avais à ma disposition que les livres d'une collègue, amie,
qui a été professeure de physique, elle est maintenant à la retraite, elle aussi, professeure de physique à l'université de Tunis. Excellente physicienne, qui s'appelle Fawzia Sharfi, qui a écrit, il y a quelques années, deux livres qui s'appellent « La science voilée, l'islam et la science ». Je pense qu'il faut un certain courage pour publier ces livres à l'heure actuelle. J'ai appris en lisant les livres de Fawzia Sharfi qu'il y avait eu au XIXe siècle un renouveau dans le monde islamique, de nouveau des penseurs qui s'étaient interrogés sur le contenu de la science et ils se sont fracassés, dit-elle, sur les fondamentalistes wahhabistes et salafistes et elle plaide de nos jours, en particulier dans son deuxième livre, l'islam et la science, pour que la science puisse retrouver son indépendance dans les terres islamiques par rapport aux textes coraniques. Je suis frappé de voir dans ce qui reste de ces conflits une convergence entre le créationnisme aux États-Unis. Vous savez que le créationnisme est cette doctrine qui nie l'évolution des espèces, qui pense que nous avons tous été créés par la volonté divine il y a 5700 ans, ou je ne sais pas quoi, qui ont réussi à faire interdire l'enseignement, dans un certain nombre d'États américains, l'enseignement sur la biologie contemporaine et la théorie de l'évolution. Il en est de même dans les programmes scolaires en Turquie aujourd'hui, dans lesquels on a banni l'enseignement de la théorie de l'évolution. Donc, cette convergence entre les fondamentalistes ne pouvait pas nous frapper. Donc, à l'issue de ces deux millénaires, où en sommes-nous ? La science nous a appris que nous sommes plongés dans une triple histoire, ce qui n'apparaissait pas à nos sens au départ. Une histoire de la Terre, une histoire du vivant, une histoire de l'univers. Je vais m'y arrêter 30 secondes sur chacun. Sur l'histoire de la Terre, la radioactivité nous a permis de savoir que la Terre n'avait pas 5784 ans, comme le dit, le croient les fondamentalistes juifs, mais 4,543 milliards d'années. Et le 3, est un 3, c'est-à-dire c'est à 1 pour 1000 près, c'est la radioactivité qui nous permet de dater la Terre avec précision. Le 20e siècle a établi que nous sommes sur des grandes plaques flottantes, une mosaïque de plaques. Certaines s'écartent les unes des autres, et si vous avez vu les images télévisées actuelles sur ce qui se passe en Islande, on y voit la plaque d'Amérique du Nord qui est en train de s'écarter de la plaque européenne et un long filet de lave en feu entre les deux plaques que l'on voit. C'est un spectacle absolument hallucinant. Il y a d'autres endroits où les plaques sont en train de se cogner, au contraire, et rentrer l'un dans l'autre, comme par exemple le Deccan qui est en train de rentrer dans l'Himalaya. Bon. Donc, les géologues nous disent qu'il y a 290 millions d'années, ils ont reconstitué, je ne sais pas vous dire comment, qu'il n'y avait qu'une, ce qu'ils appellent une Pangée, c'est-à-dire tous les continents que nous connaissons collés les uns aux autres, et je crois que personne ne sait ce qu'il y avait au-delà de 290 millions d'années. On est dans l'inconnu. Histoire de la Terre, histoire du vivant. Alors, je vais aller très vite sur l'histoire du vivant, mais après Darwin, il s'est passé beaucoup de choses, et en particulier, il y a eu le développement de la biologie moléculaire qui a permis d'étudier les génomes et les parentés entre les génomes des espèces qui permettaient de faire une histoire des espèces et de leurs parentés. Et donc, les biologistes, me demandaient pas comment, ont conclu qu'il y avait trois grands, dans cet arbre de l'évolution, qu'il y avait trois grandes branches, les bactéries, les microbes, si vous voulez, les archées, et puis, quelque part, il y avait des eucaryotes, c'est-à-dire ceux dont les cellules possèdent un noyau, sont plus résistantes, et quelque part,
il y a dans cet arbre des eucaryotes une toute petite branche qui s'appelle les animalia. Et dans cette branche, nous sommes là quelque part. Voilà qui nous donne une certaine modestie sur notre place dans le règne animal et végétal. Alors, est-ce qu'il y a eu, comme le pensent certains, un ancêtre commun, c'est-à-dire une molécule initiale qui s'est répliquée et qui a donné lieu à tout ce que nous connaissons de la diversité du vivant? Je suis bien sûr incapable de vous le dire. Je crois que c'est une question non résolue, mais des biologistes sérieux, comme Jacques Monod, par exemple, pensait, lui, qu'il y avait un ancêtre commun et il se reposait sur ce qu'on appelle l'homochiralité du vivant, je vous expliquerai si vous me le demandez, mais pas maintenant. Une histoire de l'univers. L'histoire de l'univers est très curieuse. En 1915, Einstein fournit une nouvelle théorie de la gravitation, parce qu'il sait bien que la théorie de Newton doit être corrigée. Il y a des petites anomalies avec Newton. Et puis, Newton avait envisagé que des astres distants puissent interagir l'un sur l'autre instantanément. C'est incompatible avec les idées développées par Einstein. Donc, il cherche une nouvelle théorie. Il aboutit en 1915 à ce qu'on appelle la relativité générale. Immédiatement, il se pose la question: est-ce qu'il existe une solution dans laquelle l'univers est statique? Parce que Einstein avait en tête, comme tout le monde à cette époque, que l'univers était tel que nous le voyons, les étoiles, le ciel, avait toujours été comme ça et serait toujours comme ça. Il a une vision totalement fixiste qu'on ne peut pas lui reprocher, personne ne pensait autrement. Et donc, il ne trouve pas de solution. Donc, il est embêté, il se dit « mais je ne comprends pas ce qui se passe ». Il modifie sa théorie en ajoutant ce qu'on appelle aujourd'hui une constante cosmologique. Et puis, en 1924, un astronome américain, s'appelait Hubble, découvre premièrement qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre s'appelle la Voie lactée. Il y en a plein d'autres dans l'univers, on en a découvert maintenant des milliers, peut-être des millions, et qu'elles s'éloignent les unes des autres. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Einstein se frappe le front et dit « mais pourquoi est-ce que j'ai modifié ma théorie? L'univers n'est pas statique, il est dans l'expansion, tout va très bien ». Mais en 1998, nos collègues astronomes nous disent « nous avons observé des supernovées très lointaines dans l'univers et non seulement elles s'éloignent, mais l'expansion, la vitesse d'expansion est en train d'augmenter, l'expansion s'accélère ». Alors l'accélération de l'expansion n'est compatible actuellement qu'avec la théorie modifiée d'Einstein et ça n'est pas sans poser des problèmes. Je change de sujet. J'ai longuement évoqué comment la science s'est fracassée avec les croyances des théocratiques. Je vais en venir à la science et les totalitarismes du XXe siècle. Le nazisme. En 1930, la physique, la chimie, les mathématiques en Allemagne étaient extrêmement brillantes. C'était sûrement la meilleure science au monde. Et puis les nazis arrivent en 1933, les lois anti-juives immédiatement adoptées et provoquent le départ de gens comme Einstein, Bethe, vous ne connaissez pas le nom de Bethe, mais c'est lui qui a découvert comment les étoiles brillent, etc. Et j'ai ajouté « et même Schrödinger et Gödel ». Je dis « et même » parce que Schrödinger, qui était autrichien, n'était pas juif, est parti à Dublin parce qu'il ne supportait pas les nazis. Et Gödel était allemand, c'était un grand logicien. Vous avez peut-être entendu parler du théorème d'incomplétude de Gödel. Il est parti à Princeton. Donc, ces personnes sont parties et un certain nombre de physiciens allemands commencent à invoquer la Deutsche Physik, la physique arienne, opposée à la science juive. La relativité, la mécanique quantique sont bannies de la science allemande par Lenard et Stark, qui néanmoins avaient le prix Nobel. Donc on peut se dire, peut-être qu'ils pouvaient
Comment se fait-il que ces hommes bannissent ça? Et je vous avoue que j'en sais rien. Bon, ils étaient sans doute antisémites, j'allais dire presque comme tout le monde. Mais je pense qu'ils étaient surtout jaloux, parce qu'ils avaient du mal à comprendre. Werner Heisenberg, qui lui comprenait bien la mécanique quantique, c'en était l'un des fondateurs, il est attaqué pour avoir défendu une physique enjuivée. Et je vais prendre un exemple qui est le départ de Lise Meitner. Je vais m'y arrêter une seconde parce que quand on égrène les noms, ça ne signifie rien. Je vais vous dire ce que signifie le départ de Lise Meitner et de son neveu. Lise Meitner en voilà sa photo, à côté son neveu, qui était lui aussi un jeune physicien. Elle est là tenant sa cigarette, elle n'arrêtait jamais. Lise Meitner était professeure de physique à l'Institut Kaiser Wilhelm à Berlin. C'était sur l'insistance du directeur Max Planck. C'était la première fois qu'on admettait une femme, au départ comme bénévole. On n'allait pas lui donner un salaire. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'elle est très bonne et on lui donne un poste de professeur de physique. Elle est le premier professeur de physique à l'Institut Kaiser Wilhelm. Mais on lui dit, écoutez, si vous voulez bien, vous allez prendre l'entrée des fournisseurs. On peut quand même pas admettre une femme par l'entrée principale. Elle accepte. Donc elle devient professeure et elle travaille avec un chimiste célèbre qui s'appelle Otto Hahn. Elle travaille jusqu'en 1938. C'est dangereux déjà, hein, 38, il s'est passé des choses. Lise Meitner a un grand-père juif, c'est de là qu'elle tient son nom. Et Otto Hahn, le chimiste, lui dit « Non, il faut partir, il faut absolument partir. » Et il l'aide à fuir l'Allemagne et elle part avec son neveu, Otto Frisch. Au moment de son départ, Lise Meitner, Otto Hahn, était en train d'étudier quelque chose qui vous paraîtra baroque, qui était l'absorption des neutrons par l'uranium. C'était des expériences qu'avait fait Fermi à Rome, juste avant, et qui conduisaient à des choses assez mystérieuses, qui avaient beaucoup intrigué aussi à Paris Irène Joliot-Curie. Mais Lise s'en va, elle part en Suède, à Stockholm. Anne et son étudiant Strassmann analysent les produits de cette réaction avec l'uranium et ils détectent du barium. Ils ne comprennent rien, mais c'est des bons chimistes. Il y a du barium quand on envoie des neutrons sur l'uranium. Et ceux d'entre vous qui ont déjà vu un tableau de Mendeleïev, peut-être qu'il y en a ici, se rendent compte que ça n'a rien de naturel. Bien sûr, c'est immédiatement Lise Meitner et son neveu Frisch qui comprennent ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la fission. Mais je continue sur cette histoire, car je trouve qu'elle a une morale extraordinaire. Anne Strassmann envoie le manuscrit qui expose ses observations à la revue Naturwissenschaften en décembre 1938. Et simultanément, ils envoient une lettre à Stockholm à Lise Meitner pour leur faire part de leurs résultats expérimentaux. Donc l'article de Lise Meitner et de son neveu est de, je ne sais plus si c'est décembre ou janvier 39. Je lis sur Wikipédia un commentaire qui m'a fait sauter. Je vais leur demander de corriger. Étant donné la situation politique, Lise Meitner ne pouvait figurer comme co-autrice de la publication malgré son rôle majeur dans le déroulement de ses recherches. C'est un scandale d'écrire ça. C'est pas étant donné la situation politique. C'est vrai que pour pouvoir publier dans une revue allemande, Hahn a choisi d'éliminer le nom de Lise Meitner. Mais il aurait fort bien pu publier dans une revue étrangère, non allemande, et publié comme ça se devait avec Lise Meitner. Toujours est-il que le jury du prix Nobel, dans un des plus gros scandales de son histoire, décerne en 1944 le prix Nobel à Hahn et Strassmann. Lise Meitner aura été oubliée à jamais. Mais mon histoire n'est pas terminée. Et comme vous allez voir, elle a une morale que je trouve assez satisfaisante. Le neveu Otto Frisch ne va pas à Stockholm, il passe en Angleterre.
il rejoint un autre réfugié allemand, juif allemand, qui s'appelle Rudolf Peierls, un grand physicien. Frisch et Peierls, immédiatement, ont compris évidemment la fission, et ils se disent qu'il y a des neutrons qui doivent être dégagés. Combien faut-il d'uranium pour que la réaction dans laquelle des neutrons soient émises, un neutron en donne 2, 2 en donne 4, etc. Comment est-ce que ceci peut conduire à une réaction explosive? Ils font un calcul. On dit qu'Heisenberg a fait également le calcul, mais qu'il s'est trompé. Mais Frisch et Peierls trouvent un résultat qui montre qu'il est parfaitement possible de faire une bombe à partir de la fission de l'uranium. Ils communiquent immédiatement leurs résultats aux Américains et c'est le lancement du Manhattan Project à ce moment-là. Si vous voulez savoir la suite, vous pouvez aller voir le film Oppenheimer, pas mal, qui revient un tout petit peu de manière romancée, ridicule sur les rapports entre Einstein et Oppenheimer, mais pas si mal. Moi, je trouve que cette histoire est très morale. Je pense que l'interférence de l'idéologie nazie avec la science a contribué à leur faire perdre la guerre. Car ils n'ont pas su qu'on pouvait faire cette fission avec de l'uranium. Donc, voilà, c'est ce que un être expulsé, ce que ça pouvait donner. Je continue mon histoire. Au-delà des nazis, alors je voulais dire que les nazis ont fait pire que ça. Hein. Ils ont, au nom de l'UE, en dehors des camps de concentration et des expériences abominables, ils ont stérilisé et même exterminé des gens qui avaient des maladies génétiques à un point extraordinaire. Donc, il y a eu un procès aussi de Nuremberg des médecins et on a condamné 23 accusés, tous condamnés, dont 7 à la peine de mort. Ça, c'est l'abomination de la science nazie. Mais je change. Je passe à Trofim Lysenko. Trofim Lysenko est né d'un couple de paysans ukrainiens en 1898. Il était d'une famille pauvre. Il n'apprend à lire que tard. Il suit une formation de jardinier. Et puis, il s'occupe de sélection végétale de manière apparemment très brillante. En 1928, il a donc tout juste 30 ans, il affirme avoir développé une technique de vernalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la vernalisation? Il prétendra l'avoir inventée, mais ça existait déjà au XIXe siècle. C'est une technique dans laquelle on met les semences au froid avant de les utiliser, avant de les mettre en terre. Et on les garde au froid pendant un certain temps et d'un peu d'humidité. Et apparemment, ça augmente le rendement une fois qu'on met les semences en terre. Alors, Lysenko affirmait qu'il avait augmenté le rendement d'un facteur 3 ou 4, ce que personne n'a retrouvé, mais la vernalisation en soi n'avait rien de mal. Seulement, ce qu'affirmait Lysenko, c'était que ceci allait se transmettre. C'est-à-dire, on prenait des semences vernalisées, on les mettait en terre, ça donnait des rendements pour les blés, on prenait ces blés qui avaient poussé après vernalisation, on prenait leurs graines et on les remettait directement en terre, il n'y avait plus besoin de vernaliser, elles avaient été modifiées par la première vernalisation. Or ça, c'était contraire à tout ce que les biologistes savaient depuis Mendel sur l'hérédité et le caractère et sur les lois chromosomiques, la théorie chromosomique de l'hérédité. Donc, les biologistes soviétiques commencent à vouloir critiquer cet homme. Mais cet homme, il était sain à 100%, il était paysan, et issu d'une famille pauvre, et il avait grimpé tous les échelons. Il plaisait en particulier à Staline. Staline voyait dans le Lysenkoïste la possibilité de fabriquer un homme nouveau, car il suffisait d'extirper les hommes qui n'acceptaient pas le communisme, une première génération, et après, ça y est, l'homme était transformé, le communisme était là à jamais. Donc, Lysenko est décoré de l'ordre de Lénine, c'est un héros du,
travail socialiste, Khrouchtchev reprendra, même s'il a, il comprenait les errements de Staline, Lysenko lui plaira toujours autant, de sorte que Lysenko ne sera jamais officiellement condamné, trop de responsables sont compromis, mais la biologie russe, contrairement aux mathématiques et la physique, a mis très longtemps à se relever de ce désastre idéologique, même la médecine. Je vais passer sur la médecine, je raconterai après, si vous voulez. L'encyclopédie soviétique avait frappé d'anathème la physique également. Le principe d'incertitude et la théorie de la relativité avaient été rejetés comme manquement au marxisme. Dans l'encyclopédie soviétique, qui était le discours officiel, il était dit que c'était une pernicieuse erreur bourgeoise que d'imposer des limites à la précision avec laquelle la vitesse et la position d'une particule pouvaient être déterminées, etc. Donc, il s'apprêtait à envoyer au goulag les physiciens, ils avaient commencé d'ailleurs, mais à ce moment-là, on est en pleine guerre et la fission est connue et les physiciens et la volonté des pouvoirs soviétiques de construire une bombe atomique mirent les sciences à l'abri, les sciences physiques à l'abri de ce lysenkisme. J'en viens à la science d'aujourd'hui, dans les quelques instants qui me restent. Bien évidemment, il reste des questions essentielles qui mettent en jeu la science aujourd'hui. Décarboner nos moyens de transport, nos activités, nos moyens de chauffage, nourrir 9 milliards d'humains. Les Nations Unies ont fait la liste de 17 objectifs du développement durable, qui sont magnifiques. J'espère qu'ils sont compatibles, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui mettent en jeu, évidemment, la science. On pourrait penser que nous sommes à la quête de techniques, de détails, que l'essentiel sur le monde est bien compris. Et la réponse, pour moi, est non. L'essentiel n'est pas non plus bien compris. L'origine de la vie sur Terre est complètement incomprise. La nature de ce que j'appelais la constante cosmologique ou de l'énergie noire dans laquelle nous baignons, qui semble représenter 68% du contenu énergétique de l'univers, est complètement incomprise et les conflits avec la science sont absolus. Donc, nous sommes loin. Je ne sais pas si la fin de la science a un sens, mais quoi qu'il en soit, nous n'y sommes pas. Pourtant, les attaques se font jour un peu partout. Première question, il y a des gens qui disent « toute recherche n'est pas permise ». Et là, ils ont raison. Je vais prendre un exemple. Prendre l'exemple d'un monsieur qui n'a même pas 40 ans, qui s'appelle He Jiankui, travaille à Shenzhen, qui a été formé à Stanford, qui en 2018 prend des cellules germinales d'embryons et il a identifié le gène qui code pour une protéine qui permet au virus HIV, celui qui est responsable du sida, de pénétrer dans la cellule. Et il existe une technique découverte par deux grandes dames qui s'appellent Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, la technique des ciseaux moléculaires qui permet non pas de modifier le génome en ajoutant, mais en coupant les endroits qui justement permettaient au HIV de pénétrer. Et donc, ce qu'il fait, couper, il avait bien le droit, mais il réimplante ces cellules germinales modifiées in utero, et ça, ce n'était pas permis. Donc, le monde entier se met à hurler, les Chinois aussi, il annonce la naissance de deux jumelles. Il est très content, il croit qu'il va avoir le prix Nobel. Il est mis en prison, et il vient tout juste de sortir de prison et de reprendre son activité. Je crois que, effectivement, il faut qu'il y ait des règles éthiques qui soient définies démocratiquement. Nous avons en France des lois de bioéthique qui encadrent les recherches. Elles doivent être modifiées périodiquement. Il y a bien des choses à en dire
à l'heure actuelle, serait trop long et je ne suis pas assez compétent pour vous dire en quel sens nous devrions arriver à le modifier, mais je comprends la nécessité d'avoir des règles démocratiques. Nous avons un comité consultatif national d'éthique qui permet de conseiller les pouvoirs publics pour savoir en quel sens évoluer. Et puis, il ne faut pas oublier que nous ne savons toujours pas si le Covid-19, cette pandémie que nous avons vécue, est issue d'erreurs de manipulation dans un laboratoire de Wuhan, ou bien que si c'est une pandémie transmise entre espèces depuis le marché aux animaux de Wuhan, la réponse est inconnue. Et on voit bien qu'elle impose des règles bien strictes sur la tenue de ces recherches. Donc, qu'il y ait des règles me paraît indispensable. Certains vont plus loin. Certains disent il faut non seulement réguler, il faut interdire les recherches. La recherche a des retombées positives et d'autres négatives ou douteuses. Peut-être que le bilan est négatif. Peut-être faut-il arrêter la recherche. Et si vous ne me croyez pas, j'ai lu avec stupéfaction un article du Monde du 22 janvier, c'est pas ancien, d'Edgar Morin, qui est un sociologue connu. Cet article est intitulé « Le progrès des connaissances a suscité une régression de la pensée ». Alors, je vous le lis. « Le progrès scientifique technique est la cause des pires régressions de notre siècle. C'est lui qui a permis l'organisation scientifique du camp d'extermination d'Auschwitz. » Alors, quand on met Auschwitz, tout le monde vibre. Pour mettre des barbelés et même des fours crématoires et même des chambres à gaz, il n'y avait pas besoin de science, hein, excusez-moi. Et ajoute Edgar Morin, c'est lui qui a permis la conception et la fabrication des armes les plus destructrices jusqu'à la première bombe atomique. Alors ça, c'est vrai. C'est vraiment le progrès scientifique qui a permis que certains veuillent faire une bombe. Et donc, la question que ceci pose, ça c'est une question véritable, c'est faut-il arrêter la science parce que quelqu'un a fait une bombe ? C'est ça la question de fond à laquelle la réponse mérite qu'on s'y arrête et qu'on examine un peu plus la signification. Alors, une amie, collègue, Hélène Langevin, m'a signalé, lorsque nous en parlions il y a deux jours, la conclusion du discours Nobel de son grand-père, Pierre Curie. Et Pierre Curie revient sur l'exemple des découvertes d'Alfred Nobel, qui avait fait fortune en stabilisant la dynamite. Et la dynamite stabilisée avait permis de se servir de la dynamite pour les travaux publics. Donc il avait fait fortune, et Pierre Curie conclusait « Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. » Alors, je ne vais pas m'y apesantir. Je me suis arrêté juste... On pourrait discourir pendant des heures sur ce thème. Est-ce que les inconvénients l'emportent, etc. J'ai simplement pris des courbes que j'ai tirées de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui a fait des courbes, ici, une en jaune, une en bleu, sur l'espérance de vie à la naissance depuis 1740. Alors, ceux d'entre vous qui sont loin, qui ne peuvent pas voir, verront que l'espérance de vie en 1740 était d'environ 25 ans. Si on arrive aujourd'hui, 2020, elle était de 85% chez les femmes et 85 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Alors on voit bien qu'il y a des guerres là, les guerres napoléoniennes, on voit les creux en bleu, la guerre de 70, les guerres de 14-18 qui pour nous sont en France sont pires que 39-45, dans le monde c'est le contraire. Donc c'est vrai, les guerres ont fait ça, mais après tout cette courbe existe. Et cette courbe, l'INED ne l'a pas graduée, mais on pourrait la marquer. Au début, cette première montée qui est là, c'est au début, cette première montée, on pourrait mettre le nom de génère,
qui a découvert la vaccination et qui est l'homme qui a sans doute a sauvé le plus de vies dans l'histoire du monde. Ensuite, on pourrait mettre le nom de Pasteur qui découvre les microbes et la sepsie. Ensuite, le nom de Fleming qui découvre, comme vous le savez, les antibiotiques. Et peut-être à la fin, faut-il ajouter Kathleen Carrico, qui nous a sorti de l'horreur du Covid dans lequel nous avons vécu pendant 2 à 3 ans, par son obstination, toute sa vie, elle s'est battue et a réussi à fabriquer ses vaccins à ARN. Bon, est-ce que ceci ne nous montre pas que, avant de tout jeter, il faut quand même réfléchir à deux fois ? C'est mon avis, vous l'aurez compris. J'arrive, je crois, à peu près au bout du temps qui m'est imparti. Je voudrais vous dire que c'est difficile de se forger une opinion, pour un scientifique comme pour les autres. Il y a eu des cas où nous avons dû travailler pour se faire une opinion. Par exemple, il y a plus de 20 ans, un immunologiste connu affirmait que l'eau avait une mémoire, c'est-à-dire qu'on lui met en contact avec une molécule et qu'ensuite on enlève ces molécules, eh bien l'eau a gardé la mémoire. C'est absurde, car les rotations et vibrations des molécules d'eau font que la mémoire est perdue en même pas une fraction de nanoseconde. Mais il affirmait avoir des expériences qui montraient la mémoire de l'eau. Ça n'a trompé aucun scientifique, réellement. Il y a eu des expériences qui ont été faites par grâce à Georges Charpak, qui ont montré que c'est absurde, mais bizarrement, ça a été soutenu par la presse. Le Monde a soutenu Benveniste de manière invraisemblable. Je vais prendre, parce que c'est un exemple que je trouve intéressant, les neutrinos supraluminiques. Ça se passe en 2012. En 2012, des physiciens qui travaillent dans le tunnel du Grand Sasso dans les Abruzzes, ils reçoivent sur leur détecteur des neutrinos qui sont issus du CERN. Le CERN, c'est le grand accélérateur qui est à 732 km du Grand Sasso. Ils mesurent le temps qu'ont mis les neutrinos pour leur parvenir et stupéfaction, ça va plus vite que la lumière. Alors ça, c'était l'une des choses admises par tout le monde. Et donc tout le monde s'arrête, eux aussi, se disent on s'est trompé, ils cherchent à vérifier, ils vérifient pendant 6 mois, ils ne trouvent aucune erreur, et ils décident de publier pour alerter l'opinion et dire aux physiciens du monde entier, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est une erreur ou s'il se passe quelque chose de fondamental, voilà ce qu'on a trouvé, dites-nous si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc, beaucoup de physiciens commencent à s'y plonger. Certains ont des idées les plus farfelues. J'ai souvenir de collègues qui imaginent que, grâce à des dimensions supplémentaires, les neutrinos avaient trouvé des trajets plus courts qui leur permettaient d'aller plus vite que la lumière. Mais finalement, on s'aperçoit que, bêtement, la synchronisation des horloges entre le tunnel du Grand Sasso, les Abruzzes et le CERN n'avaient pas la précision qu'on avait supposée et que c'était un simple artefact de la mesure. Il n'y avait pas de neutrinos supraluminiques. Donc, la science opère par validation collective. Je suis passé peut-être un peu vite sur le climato-scepticisme. Là, c'est un problème, le climato-scepticisme. Je voudrais quand même en parler parce que c'est un problème affreux, même si mon temps est en train d'arriver à la fin. D'abord, c'est un problème politique énorme. Vous avez vu, par exemple, autour du Parti démocrate aux États-Unis et en particulier de Donald Trump, la puissance des lobbies des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, etc., qui cherchent à faire interdire absolument toute mesure de limitation de la combustion des énergies fossiles. Donc là, c'est une espèce de lobbying pour modifier l'opinion et qui est affreux. Les choses sont plus compliquées et nous ont posé des problèmes dans le monde scientifique. Il faut qu'ils viennent lorsque des scientifiques nous disent « nous ne croyons pas
que c'est l'homme qui est responsable. Nous pensons que c'est le soleil, et ils essayent de présenter des données pour dire « c'est le soleil ». Eh bien là, nous sommes évidemment scientifiques, nous écoutons ces gens qui nous disent « c'est le soleil », et on essaye de se forger une opinion. Et finalement, le mode de validation de la science est une validation collective. Je voudrais arriver à ça. Nous sommes dans une incapacité de refaire les expériences. Nous ne refaisons pas individuellement les expériences du CERN ou des astronomes. Nous ne refaisons pas les démonstrations compliquées des mathématiciens. Mais nous avons confiance dans la bonne foi des gens qui y travaillent. En ce qui concerne le climat, nous avons une organisation qui s'appelle le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe interacadémique, le groupe international d'experts sur le climat. Ce ne sont pas des gens qui font des recherches sur le climat, ce sont des chercheurs, effectivement, qui examinent périodiquement toute la littérature mondiale et qui la passent au crible de... au crible scientifique pour savoir si elle est crédible ou pas. Et tous les 4 ans, ils nous donnent les conclusions de leur examen, conclusions collectives qui reposent sur l'opinion de milliers de personnes. Donc, nous reposons sur la bonne foi. La bonne foi est menacée par 2 dangers. Les gourous, les manipulateurs d'opinion. Je vais très vite. Le danger des gourous, il y en a beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Andrew Wakefield, qui sévit toujours. Andrew Wakefield, en 1998, avait jugé que si, publié dans The Lancet, que si on vaccinait contre la rougeole, le risque de développer cette terrible maladie qui s'appelle l'autisme était amplifié. Son article était faux, il a été retiré, on lui a retiré le droit d'exercer la médecine, il continue à sévir sur tous les médias anglais. Luc Montagnier avait eu le prix Nobel. Il avait eu le prix Nobel parce qu'il avait participé, et c'était dans son laboratoire que Françoise Barré-Sinoussier et Jean-Claude Sherman avaient découvert le virus responsable du HIV, le virus HIV responsable du sida. Donc, Luc Montagnier, pour des raisons qui nous échappent, soutient que la mémoire de l'eau est la vérité, et il devient anti-vaccin. Je ne sais pas pourquoi il est anti-vaccin, mais son aura est considérable. Voilà, Didier Raoult, vous savez tous que l'hydrochloroquine et le pouvoir thérapeutique est résulté d'expériences dans lesquelles il a refusé les protocoles habituels d'avoir des témoins. Il a choisi les patients à qui il administrait son hydroxychloroquine. Ces 3 personnes sont indirectement, bien sûr, mais responsables de milliers, peut-être de millions de morts. Donc, attention aux gourous. Le contrôle de l'opinion. Le contrôle de l'opinion, j'ai été très intéressé par un livre qui est paru il y a peu de temps, de quelqu'un qui s'appelle Giuliano D'Ampoli, qui écrit en français « Les ingénieurs du chaos ». C'est lui qui expose comment on fabrique l'opinion. Alors, il prend beaucoup d'exemples. Il y en a un que j'ai trouvé extraordinaire, qui est qu'expose D'Ampoli. C'est le mouvement 5 étoiles en Italie. Le mouvement 5 étoiles a été créé en 2009 par 2 personnes. L'une qui s'appelle Beppe Grillo, qui est bien connue, qui a participé au gouvernement, et un autre qui est resté dans l'ombre, qui s'appelle Casaleggio, qui est mort, je crois, maintenant. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé, grâce aux réseaux sociaux, des techniques d'infiltration de l'opinion adaptée à chaque secteur de l'opinion, grâce à quoi, 4 ans plus tard, le mouvement 5 étoiles obtient 25% des suffrages en Italie, gagne les municipalités de Rome et de Turin et entre au gouvernement. C'est une fabrication explicite de l'opinion par des gens qui ont manipulé
grâce aux moyens modernes qui ont manipulé l'opinion. C'est pas une plaisanterie parce que Steve Bannon, qui a été l'un des conseillers les plus actifs de Trump au moment de son élection en 2007, a fait le voyage de Rome pour étudier en détail les méthodes du mouvement 5 étoiles pour s'imposer dans l'opinion. Donc, il n'y a pas de recette pour échapper à ces manipulateurs qui nous épient, mais il faut être conscient qu'il n'y a pas de gourou et que notre addiction à des réseaux sociaux nous expose au pire, et l'intelligence artificielle n'a fait qu'accroître ce danger. Les experts sont aujourd'hui en accusation, je vais passer là-dessus. Peut-on contenter des recherches utiles et ne faire que celles qui sont bénéfiques pour l'humanité? Je ne vais pas vous répondre, ça me prendrait trop de temps. Ma réponse est non, absolument pas. Et je vais conclure en disant, l'UNESCO a défini le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La science n'y est pas. Mais je considère que la science est un bien commun, immatériel, de l'humanité. La science n'appartient à aucun pays, à personne. Elle est à tout le monde. Elle est universelle. Elle est toujours menacée par les pouvoirs ennemis de la liberté et par les complotistes de toute obédience. Je ne suis pas pessimiste, mais il faut être lucide. Je vous remercie. Bonsoir. Merci pour cette conférence captivante déjà. Je vais continuer sur la lancée de l'actualité avec une question assez politique. Je me demandais, avec l'accroissement des ingérences étrangères en sciences, notamment dans les domaines du quantique, de la biotechnologie, de l'énergie, etc., et justement ça fait écho aux menaces et à la lucidité qu'il faut garder en sciences, comment est-ce qu'on peut concilier le maintien d'une recherche libre, pour faire écho à la liberté, ouverte et basée sur le partage, avec une vigilance qui devient impérative aujourd'hui? Bon, c'est une bonne question. Malheureusement, votre voisin qui était retenu était la meilleure personne pour vous répondre. Il est parti, il devait partir. C'est un biologiste éminent. Il vous aurait répondu mieux que moi. Je crois d'abord que l'avoir dit, il faut des règles. Lorsque les biologistes moléculaires ont découvert les possibilités de modifier le génome, il y a eu un congrès à Asilomar, Antoine Triller qui vient de partir, vous aurez dit en quelle année, moi j'ai oublié, au début des années 2000, pour réfléchir, faut-il se donner des règles pour ne pas faire n'importe quoi et que ces recherches n'échappent pas à ce qu'on fait. Alors, il y a de grands débats à l'heure actuelle. Et ils concernent même les citoyens. Il y a un débat actuellement aussi bien à la Commission européenne qu'en France pour savoir qu'appelle-t-on organisme génétiquement modifié. Pendant longtemps, il y a interdiction. On est dans un système un tout petit peu paradoxal, dans lequel nous n'avons pas le droit de créer en Europe des organismes génétiquement modifiés. En revanche, on peut en acheter. Bon. Mais la question était, les organismes génétiquement modifiés, traditionnels, ceux qui sont utilisés sur le maïs ou le soja dans le monde entier, sont faits en ajoutant des gènes qui permettent de les protéger contre des parasites. Là, il y a une nouvelle technique qui s'appelle les ciseaux moléculaires, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, qui permet d'enlever des gènes qui nous exposent à des pathologies. Donc la grande question, c'est si on ne modifie le génome qu'en retirant des gènes, est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé? Certains s'y opposent en disant on n'a pas de recul. C'est vrai, je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis tenté de penser que dans la mesure où on comprend les mécanismes du génome et de l'hérédité, je n'arrive pas à comprendre quelles pourraient être
les dangers associés, mais je reconnais qu'il faut une décision démocratique. Simplement, c'est absolument passionnant ce que vous avez dit, mais comme vous mentionnez expert dans le GIEC, je ne vois pas d'où vous sortez. Le GIEC n'est pas une conférence d'experts, une association d'experts. C'est International Panel on Climate Change. Il n'y a pas d'experts. C'est un panel, c'est pas des experts. C'est ce que j'ai essayé de dire. Ce sont des gens qui ne travaillent pas sur le changement climatique. Je ne vois pas où est la personne qui m'interroge, peu importe. Le GIEC, ce sont des gens qui acceptent d'examiner la littérature mondiale des gens qui travaillent sur le climat et qui donnent les conclusions collectives de leur lecture. C'est ça le GIEC. Ce ne sont pas eux les spécialistes du climat. Ils le sont parfois, il y en a de temps en temps, mais pas nécessairement. Pour prendre un exemple bien connu en France, Jean Jouzel, qui a été pendant longtemps responsable du GIEC, Jean Jouzel est un glaciologue, donc il connaît très bien certains aspects du climat qui sont l'étude du climat à travers les glaces très anciennes, les carottages qui permettent de remonter à 10-20 000 ans, mais ce n'est pas un expert des modélisations actuelles du climat. Je ne sais pas si ceci répond à votre question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais vous demander, vous avez mentionné l'ouvrage de Madame Charfy à propos de l'obscurantisme et de la résistance qu'il peut y avoir chez les monothéismes et dans les religions de manière générale aux recherches scientifiques. Et étant confronté moi-même en tant qu'enseignant à des élèves qui refusent l'existence des fossiles ou qui ont des propos créationnistes en cours, je voulais savoir qu'est-ce que vous, en tant que chercheur vous-même, proposeriez comme réponse à des élèves qui diraient « vous croyez en des cailloux et nous croyons en un dieu ». Oui, j'ai, dans différents cadres, j'ai été associé à des réunions avec des enseignants qui me disaient « mais qu'est-ce que je fais si, lorsqu'il y a un élève qui nous dit « Madame, vous dites ça, mais chez moi, on ne dit pas ça ». Comment on réagit ? Ou bien des gens qui disaient ben, « je ne vous crois pas ». C'est très difficile, c'est une question très difficile. Il s'agit de trouver les bons outils pour exposer la base de nos convictions. Si vous prenez, par exemple, j'ai essayé, ça m'est arrivé devant des lycéens, d'expliquer comment nous arrivions à dater la préhistoire. On commençait à dériver un tout petit peu des textes sacrés. Et donc, je leur ai expliqué les principes de la datation au carbone 14. Pas simple, c'est une découverte d'un grand chimiste juste après la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait Urey. Il y a une méthode qui permet pour jusqu'à environ 10-15 000 ans, peut-être 20 000, d'arriver à dater la préhistoire. Mais si vous leur expliquez quelle est cette méthode et pourquoi, grâce à cela, nous avons confiance lorsque nous trouvons des poteries ou des bronzes pour arriver à les dater, on arrive à leur montrer que ce n'est pas simplement du voile levé dans lequel on a le droit de dire « Madame, je ne vous crois pas ». Donc voilà, c'est très difficile. Vous avez posé une question immense à laquelle, je crois, presque tous les enseignants sont confrontés. Le pire, c'est lorsque les enseignants ont peur et renoncent. Du fait qu'ils craignent, et hélas, lorsqu'il s'agit de la Shoah, on voit bien qu'ils ont raison de craindre. Lorsque les enseignants se mettent à craindre de dire ce qu'ils pensent être leurs convictions et les raisons pour lesquelles ils y croient, alors on perd tout. Donc, vous avez un métier essentiel, il n'est pas simple. Si vous avez besoin d'aide, les scientifiques sont en général très désireux
de participer et d'aider quand ils le peuvent. Bonjour monsieur, un grand merci pour votre conférence. Moi j'avais une question, donc, on avait vu que les autorités religieuses, donc on avait vu que l'Église avait tenté d'interdire en mettant à l'index certains textes, mais est-ce que d'un autre côté on n'a pas vu, moi je me souviens d'un livre du philosophe des sciences Kojève, qui s'appelle L'origine chrétienne de la science moderne, et lui qui dit qu'il y a une partie de la philosophie chrétienne qui a permis de travailler justement sur la physique moderne, et lui il explique ça par... notamment le fait que si Dieu s'est incarné, alors ce monde valait le coup qu'on y réfléchisse dessus, et il aurait, enfin, c'est ce qu'il explique, fait descendre les mathématiques sur le ciel et permis qu'on explique avec des équations ce monde. Et donc, je vais essayer de formuler clairement ma question, c'est est-ce que si l'autorité a tenté d'interdire, la philosophie, certaines philosophies d'origine religieuse n'auraient pas permis justement ce développement des idées ? Je ne sais pas très bien à quel ouvrage vous faites allusion. Avec Sébastien Balibar, qui est là, nous avons édité il y a quelques années un livre pour le grand public chez Odile Jacob qui s'appelait je ne sais pas très bien, la science peut... Demain la physique, oui, demain la physique. C'était la physique, excusez-moi. Mais on essayait d'expliquer sans équation pourquoi. Quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui ? Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on ne comprend pas aussi ? Voilà, c'est parfois explicable. Si vous voulez, je suis convaincu que, évidemment, pour rentrer dans... pour exposer les choses à des étudiants qui sont destinés à travailler dans le domaine, alors c'est très compliqué. Il faut rentrer dans les détails, il faut être technique, il faut écrire des équations, etc. En revanche... pour expliquer les idées, les questions qui se posent, là, je crois qu'on peut le dire en mots et que ça peut être compris. Et ça nous est arrivé, mais il m'est arrivé pendant 2 années, j'avais décidé de faire des cours de la physique pour les élèves littéraires que je faisais à Paris, sans équation, pour essayer de leur dire, voilà les questions que nous posons. Je ne sais pas s'ils ont aimé ça, mais voilà. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question. Vous parliez que vous souhaitiez qu'il y ait des règles, notamment des règles éthiques sur la recherche scientifique aujourd'hui. Et je me posais la question, en quoi ces règles éthiques ne peuvent-elles pas être une limite à la liberté des scientifiques ? Qu'est-ce qui vous paraît apporter une limite à la liberté d'expression ? Les règles éthiques qu'il peut y avoir... Ah, les règles éthiques, oui. Écoutez, il y a des règles éthiques. Hein. Si j'aime pas du tout mon voisin parce que je trouve qu'il dit des bêtises, il y a une règle éthique qui m'interdit de lui flanquer une baffe. Il y a des règles éthiques, il faut quand même bien les admettre. Donc, dans la recherche, il y a des endroits où il faut faire un peu attention. Alors, évidemment, la question à laquelle a été... auxquels ont été confrontées les générations qui nous précédaient, a été la Seconde Guerre mondiale. Là, il est clair que la science a joué un rôle central dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans ces bombes, et on peut se demander, mais est-ce que les gens qui ont travaillé sur ce projet Manhattan... avaient-ils perdu la tête ? Avaient-ils perdu leur science éthique ? Et la question est très complexe, parce que je suis obligé de dire que si j'avais eu l'âge, j'aurais fait comme eux. Car en Allemagne, il y avait des physiciens comme Heisenberg, Weizsäcker, etc., qui connaissaient parfaitement la physique nucléaire et qui avaient tous les moyens de donner à Hitler des bombes atomiques. Donc, comment réagit-on dans un tel contexte ? Ce sont des questions dans lesquelles je ne sais pas apporter de réponse universelle. Elles ne sont pas simples. Il faut faire attention. Je pense qu'en règle générale, la connaissance va... avec la bonne foi et avec la maîtrise, mais il y a des dérives. Je pense que cet exemple chinois que je vous parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se plier aux règles éthiques. Il a eu tort.
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Merci. Et j'avais une question qui se posait sur le rapport entre la science et le changement climatique, oui. qui est d'actualité. Et quand on voit aujourd'hui que certains scientifiques doivent travailler avec des clauses de confidentialité pour des expertises, etc., et que leurs rapports ne sont pas toujours respectés par différentes entreprises ou par différents lobbies, ça nous fait nous poser des questions sur la transparence du travail scientifique et la liberté que chacun devrait avoir pour accéder à ces informations. Bon, là encore, c'est une question complexe à de multiples prolongements. L'une des questions, c'est quel rapport doit-il y avoir entre les avis émis par la communauté scientifique et les décideurs ? Nous vivons dans un régime démocratique, ce sont eux qui... Je l'accepte évidemment, je le souhaite, ce sont eux qui décident de ce qu'il faut faire. Je vais prendre un exemple que j'ai trouvé réussi, il n'y en a pas tellement des exemples réussis. En 1990, fin 90, nos députés, donc l'Assemblée nationale, se posent la question de que faut-il faire des déchets issus des centrales nucléaires. Et un député socialiste, s'appelait Christian Bataille, fait adopter une loi qui va passer, dans laquelle il y a différents avis ont été émis sur ce qu'il faut faire des déchets. Il y a des gens qui disent qu'il faut les laisser en l'état à côté des centrales, c'est ce que font les Américains. D'autres disent qu'il faut les transmuter, personne pour l'instant ne sait le faire. Et d'autres disent encore qu'il faut les enfouir profondément dans un sol stable. Les députés disent on ne sait pas. Et ils ordonnent à tous les organismes publics de recherche, que sont le CNRS, le CEA, etc., ils leur donnent 15 ans pour leur remettre un rapport avec des conclusions à prendre. Je trouve que c'est une bonne méthode. Alors, au bout de 15 ans, ça ne suffisait pas, les scientifiques ont demandé une rallonge. Mais peu importe, c'est la méthode me paraît idéale. Au bout du compte, ce sont les députés qui décident. Oui ou non, voilà ce qu'on a le droit de faire des déchets. Mais, entre-temps, il y a une consultation dans laquelle on va demander à tout le monde de réfléchir, d'y travailler, car c'est d'intérêt public. Je pense que si on avait fait ça pour les OGM, au lieu de se contenter de dire « on interdit, on n'en parle plus », peut-être qu'on aurait été dans une situation un peu plus saine que celle qui consiste à dire « on a le droit de les acheter, mais on n'a pas le droit d'en faire ». Eh bien, un grand merci, Édouard Brézin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de ce dialogue. Et notre prochain rendez-vous, c'est donc avec un artiste, un compositeur, membre de l'Académie des Beaux-Arts, le 13 mars, qui nous parlera des libertés du créateur, également avec un point d'interrogation. Voilà, les inscriptions restent ouvertes. Merci et à bientôt.